Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo News. Figurines, collaborations internationales, événements spéciaux, nouveaux spin-off et fruits du démon. On a énormément de choses à vous dire car dans cette vidéo se trouve l'information la plus importante de notre aventure sur YouTube depuis son commencement. Faisons alors ensemble un tour de l'actualité de One Piece dans le monde entier. Et sachez que tout ce que vous découvrirez dans cette vidéo se trouve dans la description. Vous êtes prêts? C'est parti! One Piece Stampede est le plus gros succès de la Toei Animation au Japon, numéro 1 au box-office 2019 après 2 semaines en salle. Aujourd'hui, le film a déjà récolté 5 milliards de yens et nous sommes fiers de vous annoncer que nous organisons avec Kana l'avant-première française du film au Grand Rex le 12 septembre prochain sur les deux projections à 20h et 22h. C'est une première sur le territoire français. La soirée entière de 19h à minuit sera animée par nous-mêmes, Kamaltero et Kitaro. En rentrant dans le cinéma, vous sera remis un ticket de tombola pour tenter de gagner des centaines de lots exclusifs grâce à Kana et Mangarake qui sera présent sur place dans le cinéma avec un magasin inédit vous proposant les tout premiers goodies Stampede en France. Avant la séance aura lieu un quiz et karaoké géant dans la grande salle avec à la clé des énormes cadeaux et tirage au sort de la tombola géante sur scène. Et cerise sur le gâteau, Mangarake récidive et offrira une résine officielle de Ace d'une valeur de 1000€. Nous avons la chance de pouvoir travailler officiellement pour One Piece, alors vous pouvez compter sur nous pour vous préparer la meilleure soirée de 2019. On sera toujours là pour vous représenter et ça commence le 12 septembre 2019 au Grand Rex. Nous serons là toute la soirée pour vous guider et pour que vous vous sentiez comme à la maison. Plus de 5000 fans sont attendus et ça risque d'être totalement monstrueux. Rendez-vous au Grand Rex Paris, métro Bonne Nouvelle, on vous y attend très nombreux. En parlant de Stampede, c'est dans le One Piece Magazine volume 7 qu'Eiichiro Oda a dévoilé le design du Gacha Gacha no Mi, appartenant à Douglas Bullet, grand méchant du film dévoilant ainsi toutes ses capacités, étant un des fruits les plus puissants du monde faisant de Bullet un membre d'équipage de Goldie Roger. Mais ce n'est pas tout, le fruit de Han, le Bijo Bijo no Mi, permettant de créer des illusions a aussi été présenté. Cela nous rappelle que le mangaka avait déjà dévoilé dans le volume 6 les designs du Hana Hana no Mi de Robin ainsi que le Hito Hito no Mi de Chopper, nous laissant croire que de nouveaux designs de fruits du démon pourraient être dévoilés dans les futurs numéros. Car oui, le One Piece Magazine numéro 8 est prévu au Japon le 1er décembre et contiendra un dossier complet sur la véritable forme des fruits du démon. De plus, on y retrouvera un roman exclusif sur un nouveau personnage, le poster collector de Vince Moxanji, les coulisses sur la création de Wano en animé avec un interview du réalisateur Tatsuya Nagamine et des infos inédites sur le prochain jeu One Piece Pirate Warriors 4. En France, le One Piece Magazine numéro 4, centré sur le personnage de l'eau, arrive le 2 octobre prochain. Grande nouvelle, ça y est, après des mois de travail, nous lançons enfin le premier Discord de One Piece interactif RPG. Avec un système de primes, venez accomplir des quêtes lors d'événements inédits pour remporter de véritables cadeaux. Grâce à notre sponsor Exy, gardien du trésor qui fera gagner aux plus méritants des figurines, des mangas et plein d'autres surprises tous les mois. Nous avons tout fait pour que le Discord vous permette de venir nous voir, discuter avec nous, mais surtout avec d'autres fans, tout en ayant la possibilité maintenant de vous faire gagner de véritables choses. C'est une énorme fierté d'être entouré d'aussi gentilles personnes et donc de pouvoir vous offrir dorénavant des cadeaux One Piece sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook et maintenant Discord. Car le plus important pour nous c'est de partager, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, avec vous et surtout avec des gros goodies sa mère. Et ouais, nous on est comme ça, en même temps on a été élevé par One Piece, c'est normal. Parce que les Japonais sont trop forts en marketing, les Mugiwara se sont une nouvelle fois invités dans une pub pour la marque de produits d'entretien maison Oroku. On vous laisse la découvrir, c'est juste magique. Après ça, plus aucun doute, le roi du nettoyage ce sera lui. Mega House a dévoilé ses toutes premières figurines en Portrait of Pirate de Wano Kuni. Nous pouvons alors retrouver Nami et Chopper dans leur tenue traditionnelle, mais surtout la toute première figurine officielle de Kaido qui risque d'être totalement monstrueuse. Mais ce n'est pas tout, la gamme accueille aussi la toute première figurine officielle de Carotte faisant environ 22 cm de haut. Pour commander toutes ces figurines, le lien est dans la description bien sûr. Un tout premier visuel du spin-off One Piece Cool a été dévoilé. Pour rappel, il s'agira là d'une histoire humoristique mettant en scène les personnages de One Piece au lycée vivant leur vie d'ado avec des clins d'œil au véritable manga à l'instar de Attack on Titan High School. Le record mondial de la plus grosse collection de One Piece a été décerné à un certain monsieur Yoshikazu Sanda avec un total de 5656 pièces de collection. Le plus dingue reste qu'il s'arrête exprès à ce chiffre car en japonais 5656 se lisant en lecture kun Gomu Gomu. One Piece est en collaboration avec Puma depuis le 9 août dernier et a créé une Puma Cell Endura unique à l'image du Thousand Sunny inspiré du style des années 90. Si vous tombez sous le charme, on vous met un lien pour la commande
recommandée dans la description. Le One Piece Doors volume 3 sortira au Japon le 4 octobre prochain. Pour rappel, il s'agit d'une compilation ultime des pages de couverture des Tiroda, avec rappel et explication de ce que sont devenus certains personnages importants au fil des années avant de les revoir apparaître dans le manga. De véritables scénarios importants pour la suite de l'histoire qui refont surface dans ce recueil. Le volume 1 est déjà sorti en France depuis juin dernier et le volume 2 arrivera pour la fin d'année. Niveau jeux vidéo, Katakuri débarque dans World Seeker. En effet, un nouveau DLC est prévu pour la fin d'année avec comme nouveau boss le Sweet Commander et donc nouvelle technique pour Luffy, le Snake Man bien sûr. なぜ和の国に入った？観光ではないらしいな。この国では強者につくか、従わず逃げ回るか、それだけだ。 One Piece Pirate Warriors 4 a eu droit à son premier trailer lors de la Gamescom 2019. On peut alors découvrir du gameplay sur Rocket Island et donc de nouvelles techniques et surtout de nouveaux personnages comme le Jirma 66 et Big Mom, premier personnage dit géant à contrôler dans le jeu. Le Beat'em Up est prévu pour le premier trimestre de 2020. Enfin, totalement insolite, un Pac-Man officiel One Piece va bientôt sortir sur mobile. On vous tient au courant dès que nous avons une date. Voici donc pour toutes les news concernant One Piece dans le monde. On espère que la vidéo vous aura plu et si vous aimez notre travail, vous pouvez nous encourager en vous abonnant directement à la chaîne pour ne louper aucune information concernant One Piece ainsi qu'en temps réel depuis le Japon sur notre Twitter et Facebook. Et nous, on se dit à la prochaine au Mont Corvo pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.